Idriss Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme. J'estime que le Maroc développe de plus en plus une diplomatie culturelle assez active qui mérite d'être étudiée pour qu'on en tire les leçons. Il y a un de très nombreux acteurs qui interviennent, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Marocains résidant à l'étranger, le conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le conseil national des droits de l'homme, le centre cinématographique marocain, le réseau diplomatique marocain et aussi de nombreux acteurs privés, parfois à titre individuel. Ces divers acteurs ont besoin, me semble-t-il, d'une part d'une approche de plus en plus convergente, intégrée d'un côté, et de l'autre côté de soutien de la part du gouvernement et du gouvernement, notamment en matière, par exemple, d'exemption fiscale, d'aide à l'emploi. On a besoin aussi probablement d'utiliser de plus en plus les outils les nouvelles technologies de l'information et de la communication et voir aussi comment faire de la diplomatie culturelle un secteur économique à part entière. Aujourd'hui, la culture peut rapporter de manière importante.